Bon matin, portail, comment ça va? Content que vous soyez là. Dis à la personne à ta gauche, je suis content que tu sois là. Et dis à la personne à ta droite, toi aussi, je suis content que tu sois là. Ce matin, c'est dernier dimanche de novembre. Traditionnellement, c'est toujours le dimanche des mises à jour, des bilans pour le portail. Cet après-midi, nous avons notre réunion d'affaires. Et ce matin, ça me permet de faire la conclusion de notre série visionnaire automnale qui se nomme simplement « Disciples ». Donc, de donner des nouvelles, de revenir, de s'arrêter, de rendre gloire à Jésus de ce qu'il a fait parmi nous. Et notre mission, c'est simple, c'est de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Notre vision, nous prions, nous travaillons pour implanter 10 églises parce qu'on croit qu'une église, c'est une ambassade du règne d'amour de Dieu. Donc, on croit que c'est important, on va implanter 10 églises. On prie, on travaille pour 10 000 disciples de Jésus. Notre plan, c'est d'encourager chaque personne à passer au travers les 8 étapes de la formation du disciple. Donc, c'est simple, c'est l'acrostiche « disciple ». C'est quoi un croyant, c'est quoi un chrétien, c'est quoi un disciple de Jésus? C'est quelqu'un, premièrement, qui décide de suivre Jésus. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui s'immerge, qui s'est fait baptiser. C'est quelqu'un qui sert les autres autour de lui. Quatre, c'est quelqu'un qui connecte avec d'autres croyants. Cinq, c'est quelqu'un qui invite ses parents, ses amis à l'église. Sept, c'est quelqu'un qui... Six, c'est quelqu'un qui prie. Sept, c'est quelqu'un qui lit sa Bible. Et finalement, huit, c'est quelqu'un qui s'engage envers son église locale. Et la question qu'on s'est posée il y a environ une dizaine de semaines, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'Église? Et je répète que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est la communauté, c'est les gens. Qu'est-ce que tous ensemble, on peut faire en tant qu'Église pour devenir de meilleurs disciples de Jésus? Et on est tous d'accord qu'une église locale, ce n'est pas un centre commercial, c'est un centre d'entraînement. Et qui dit entraînement, dit, encore une fois, comment on devient un disciple? Par des disciplines spirituelles. Donc, c'est comme par exemple lorsque vous allez au gym. Quels sont ceux qui vont au gym ici? Quels sont ceux qui devraient aller au gym ici? Quels sont ceux qui ont quelqu'un à côté d'eux qui devrait aller au gym et qui n'a pas levé la main? On va au gym, pourquoi? On fait quoi? On va s'entraîner, on fait des exercices. Donc, on a un plan et l'idée, c'est de perdre du poids ou de fortifier nos muscles. Et au bout de la ligne, c'est de devenir en meilleure forme et en meilleure santé. Maintenant, le gym n'est pas une fin en soi, on est d'accord? Lorsque j'ai commencé à m'entraîner il y a 2-3 ans, ma femme était contente parce qu'elle s'est dit « Enfin, mon mari va être en forme, il va faire plus de choses dans la maison. » Quand j'ai commencé le CrossFit, j'étais tellement vidé et brûlé qu'après le gym, elle pensait que j'étais pour avoir plein d'énergie, moi je dormais. Maintenant, j'ai dû m'adapter parce que le gym n'est pas une fin en soi, on s'entraîne pour la vie quotidienne. Le dimanche matin, ce qu'on vit en tant qu'Église, les 8 étapes, c'est des choses, des opportunités, c'est de l'exercice, c'est des disciplines spirituelles, mais ce n'est pas une fin en soi. Le but, c'est que tu deviennes un meilleur chrétien, un meilleur disciple de Jésus dans ton quotidien, si tu le crois, dis amen. Donc, nous allons voir maintenant, pendant cet automne, on a lancé 20 initiatives pour faire de toi, pour devenir tous ensemble de meilleurs disciples de Jésus cet automne. Donc, 20 choses. Ça a été probablement l'automne, en tout cas pour ma vie, l'automne le plus occupé de mon ministère et pour l'Église, une saison extrêmement équipée. Équipée et occupée. Occupée pour équiper, en fait. 20 choses, 20 initiatives qu'on a lancées cet automne. Premièrement, le lancement de notre vision, avec en moyenne cet automne 1350 personnes qui sont au portail les dimanches matins. L'instauration d'un kiosque pour ceux qui décident de suivre Jésus. Troisièmement, on a une célébration record de 57 baptêmes. Quatre, on a démarré notre service d'aide avec collecte de denrées non périssables, banque de dépannage, panier de Noël, plusieurs choses. Également, nous avons accompli la phase 4 de notre aide aux réfugiés. On a des invités ce matin, je vais y revenir un petit peu plus tard dans mon message, mais une phase vraiment importante. On a également, durant cet automne, pris une offrande suite à l'ouragan Matthew en Haïti. On a récolté 500 000, wow! C'était prophétique, j'espère. 5 000 $. Mais quand même, dites amen, quand même, c'est 5 000 $. Donc, 5 000 $, on continue notre programme de parrainage. Également, ce qu'on a fait, on a formé un nouveau comité de mission Haïti parce qu'on veut développer l'œuvre en Haïti.
Et de la même manière que cette semaine, avec Pasteur Denis, je m'en vais pour une semaine évaluer le voyage, notre œuvre en Moldavie. Je prévois aller en Haïti sur le terrain pour voir comment le portail peut être plus efficace là-bas. Si tu le crois que c'est important, dis amen. Toujours avec Manouchka qui travaille pour Mission Haïti. Également, neuvièmement, on a à l'Église une implication. 50 nouvelles personnes se sont impliquées durant l'automne. On a fait notre corvée automnale pour notre bâtiment. L'organisation de la collecte d'Emma Québec qui va avoir lieu le 8 décembre. On a également eu le lancement de notre ministère de jeunes adultes avec 250 ados et jeunes adultes présents à l'Église un vendredi soir. Ouais. Célébration de la fête d'automne avec 440 enfants. Développement de nos petits groupes, évidemment, avec Vivre Enfin, on n'a pas terminé, on veut encore plus, on veut que ça se développe avec pas loin de 300 personnes. Organisation de notre concert de Noël qui va avoir lieu le samedi 17 décembre. On a lancé, du moins on a renouvelé notre chaîne de prière et à chaque jour, il y a une cinquantaine de guerriers, de guerrières qui soutiennent les autres dans la prière. 17e, ça se dit ça, 17e? Instauration d'une soirée mensuelle de formation disciple avec les dernières fois 300 personnes à chaque fois. Valorisation de notre membership avec un blitz au niveau des demandes. On a commencé le mentorat de jeunes ouvriers, formation de pasteurs, formation de prédicateurs. On travaille fort là-dessus. Puis on a aussi une amorce de réflexion sur l'implantation de nos prochains sites. Donc ça, c'est notre automne, mes amis. Donc vraiment, on est essoufflés, mais plein de foi. Maintenant, quoi dire pour cette conclusion de cette série disciples? Après 10 messages, je vous invite, si vous avez une Bible, à ouvrir avec moi dans l'Évangile de Luc, le 17e chapitre. Sinon, pour nos amis qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Luc 17, le verset 11. Un petit récit qui contient une grande vérité. Donc, au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie compassion de nous. » Quand il les vit, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda, « N'ont-ils pas été purifiés tous les 10? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? » Puis il leur dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Nous sommes ces lépreux. Nous sommes ces gens. Est-ce que quelqu'un ici a besoin de Dieu? Tu as besoin de plus de Dieu dans ta vie? Nous avons besoin de Dieu. Et Jésus a fait beaucoup pour nous durant cet automne. Et la tentation, c'est de continuer notre chemin. Pourquoi? Parce que Noël arrive rapidement. On doit préparer l'année 2017. Mais comme ce lépreux, on sent le besoin ce matin de simplement s'arrêter, de revenir et de donner gloire à Dieu. Spurgeon a dit la chose suivante. « Nous sommes prompts à graver nos épreuves dans le marbre et à écrire nos bénédictions dans le sable. » Rapidement, nos épreuves, on s'en rappelle longtemps, mais nos bénédictions, on les oublie rapidement. Et on ressent le besoin en tant qu'Église, une fois de temps en temps, et c'est ce matin, de s'arrêter et de se dire, « Seigneur, on veut juste compter nos bienfaits, puis on veut juste te rendre grâce de ce que tu as fait parmi nous. » Et il y a un mot en français que j'aime beaucoup, c'est pas un mot qui va gagner un concours de marketing, mais c'est un mot que souvent on oublie d'appliquer dans nos vies, un verbe qu'on ne pratique pas. Et ce verbe, je vous le dis, c'est pas un verbe sexy, là. C'est pas un verbe, ça se dit-tu ça? Non, je devrais pas dire ça. C'est pas un verbe qui, c'est le verbe « consolider ». Il y a un temps où la Bible nous dit souvent de garder ce que tu as reçu. Et la tentation, le piège, c'est de faire un peu comme cette petite fille, on peut mettre la vidéo, qui va à la chasse au coco de Pâques. Et il y a plein de bénédictions sur notre sentier, il y a plein de requêtes exaucées, il y a plein de témoignages. On avance, mais on a la difficulté à garder ce qu'on a reçu. Look, I found another one. Oh. Et ça, c'est
un petit, je me vois comme ça, on est là, on travaille fort, on avance, mais à un moment donné, on doit s'arrêter et dire, non seulement on développe, on avance, mais est-ce qu'on est capable de garder ce qu'on a reçu? On a reçu plusieurs témoignages durant cet automne, et ce matin, le but, c'est de te rappeler, de faire une évaluation de ta vie spirituelle, de ta marche avec le Seigneur. Où en es-tu? Est-ce que tu gardes ce que tu as reçu? Si tu es toujours là, dis « Amen ». Et donc, j'ai 8 questions très, très simples pour toi. Je ne serai pas très long ce matin pour justement s'assurer qu'on a gardé ce qu'on a reçu et de revenir, de donner gloire à Dieu pour ce que Jésus a fait dans nos vies. Premièrement, as-tu décidé de suivre Jésus? Plusieurs personnes, nous avons lancé notre kiosque, en fait, pour donner une trousse de démarrage pour ceux qui font un pas de foi. Donc, on remet, petit dépliant, connaître Dieu, un Nouveau Testament pour la bonne nouvelle de Jésus, quelques services qu'on offre à l'Église, un petit livre aussi pour t'aider à mieux comprendre la Bible. Et on invitait les gens qui ont pris une décision de foi à aller au kiosque. Et durant cet automne, 80 personnes se sont présentées au kiosque. Donc ça, je dis merci Seigneur pour ça. Oui. Si c'est toi ce matin, ça fait quelques semaines que tu es au portail et tu dis oui, moi je veux m'engager, je veux suivre Jésus, je veux voir plus de Dieu dans ma vie, je t'invite à te présenter au kiosque. Deuxièmement, as-tu été immergé en te faisant baptiser? On a eu un baptême record cet automne. Lorsqu'on calcule, dans les 2 dernières années, nous avons baptisé 150 personnes durant les 2 dernières années, je viens de le mentionner. Encore une fois, peut-être tu dis, j'aurais aimé ça me faire baptiser la dernière fois. Nous avons un baptême de prévu en janvier. Donc, à la table, à l'arrière du sanctuaire, il y a une table avec tous les formulaires. Tu peux te procurer le formulaire pour le prochain baptême. Il est là, il est également au présentoir. C'est également possible sur Internet de remplir le formulaire, d'avoir toute l'information, de t'inscrire en fait. Donc, fais-le. Troisièmement, est-ce que tu sers les autres? Que tous ceux qui servent les autres disent « Amen ». À l'Église, j'ai mentionné plusieurs personnes sont impliquées le dimanche, une grande Église comme la nôtre, avec plein de services, plein de besoins. Encore une fois, c'est possible ce matin de faire comme cette 50aine de personnes durant l'automne, d'aller prendre un formulaire. Nous avons un poste pour toi. Nous avons du travail pour tout le monde, selon ce que tu aimes, selon ta passion, selon tes dons, selon tes talents, et même juste servir. Le chrétien est appelé à se servir les uns les autres, de servir les autres, donc c'est possible de le faire. Et là, alors qu'on parle de servir, une des choses qu'on est très, très content cet automne, nous avons lancé notre service d'aide. Pourquoi? Parce qu'on veut aller plus loin. Donc, si vous êtes une personne âgée, vous êtes une famille monoparentale, vous êtes un foyer à faible revenu, vous avez perdu votre emploi, vous êtes malade, vous connaissez quelqu'un dont c'est la réalité, OK? Ne restez pas seul, venez à nous. Vous savez, moi-même, j'ai grandi dans un foyer modeste et je sais que quelquefois, tu as besoin d'avoir l'humilité de demander l'aide des gens. L'Église est là pour ça. Donc, encore une fois, vous avez un besoin alimentaire, vous avez un besoin vestimentaire, vous êtes une maman monoparentale et vous avez de la difficulté à joindre les deux bouts. L'hiver arrive, vous n'avez pas de bottes pour vos enfants, vous êtes là, vous êtes ici ce matin, vous dites, moi, je suis là tous les dimanches, mais vos enfants n'ont pas de bottes. Venez, allons, on est là pour vous. Donc, envoyez-nous un courriel, vous pouvez téléphoner à l'Église. Vous connaissez des gens qui ont besoin de visites, qui ont besoin d'être soutenus. Peu importe. Simplement, envoyez ce courriel à info@commercialeglise-leportail.com. On est là pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Également, puisqu'on parle de servir, permettez-moi de faire une parenthèse. Cette semaine, j'ai appelé la clinique de voyage près de chez moi pour aller recevoir mes vaccins pour la Moldavie, alors qu'on part mercredi. Et lorsque j'ai téléphoné, l'infirmière, elle me dit « OK, vous allez dans quel pays? » J'ai dit « La Moldavie. » Elle dit « Quoi? » J'ai dit « La Moldavie. » Elle dit « C'est quoi ça? » J'ai dit « C'est le pays où je vais. » Elle dit « Vous l'appelez comment? » Et là, je dois vous avouer que je n'étais pas du tout rassuré sur quel type de vaccin que j'étais pour recevoir. Et là, c'est des gens qui travaillent là, dans le milieu. Puis quand je suis arrivé là-bas, l'autre infirmière elle me dit « Montrez-nous sur la carte, c'est où ça, la Moldavie? » On a cherché sur Internet. Je vous dis, je ne mens pas. Et finalement, ils m'ont piqué. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont injecté, mais j'ai quelque chose. Et ça m'a rappelé pourquoi. Vous savez, on parle de vaccins, puis il y a des gens ici, tu es immunisé contre des choses que tu entends depuis tellement longtemps, contre la Moldavie. Tu en entends tellement parler qu'à un moment donné, tu ne réalises pas ça vient d'où. C'est quoi notre motif d'implication en Moldavie? C'est que plusieurs années, alors qu'on commençait à l'Église, on a eu à cœur de justement d'avoir un projet où on était pour bénir et aider des gens. Et on voulait aider des gens qui étaient pour être incapables de nous le rendre. Vous savez, on est impliqué en Haïti,
Amen. On peut t'impliquer dans différents endroits. Amen. Puis il y a comme un attachement de cœur. Mais la Moldavie, on ne connaissait aucun Moldave. Puis c'est le paradoxe, c'est que maintenant, il y a plein de Moldaves qui sont à l'église. Mais à l'époque, aucun. Puis on s'est dit, OK, on va aller dans un endroit. C'est le pays le plus loin. C'est le plus petit pays d'Europe de l'Est, le plus pauvre. Puis on s'est dit, c'est là qu'on va aller. Et cette semaine, je mangeais avec un de mes amis. Mon ami est pasteur et mon ami a 9 enfants. 9 enfants. OK? Il a des enfants, évidemment, des enfants biologiques. Il a adopté des enfants et il attend 3 enfants d'Haïti. Ils vont passer à 12 enfants. On voulait les inviter à Noël, on a changé d'idée. 12 enfants, OK? Et il me disait, on mangeait ensemble, il me disait, puis là, je lui dis, bon, la semaine prochaine, il dit, tu pars où? Je dis, en Moldavie. Il dit, tu ne m'as pas dit ça. Puis lui a adopté des enfants en Ukraine, c'est à côté. Puis il me disait, est-ce que tu sais c'est quoi la réalité de la Moldavie? Je dis, ben un petit peu, mais tu sais, on s'est impliqué juste par obéissance. Puis il me dit, moi, mes trois enfants souffrent de ce qu'on appelle le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Puis il dit, en Moldavie, c'est une plaie majeure. Il dit, non seulement il y a beaucoup d'orphelins sociaux, c'est-à-dire les parents vont travailler ailleurs, puis les enfants sont un peu abandonnés, puis ils vivent dans les égouts, puis c'est comme des fratries, puis ils vivent ensemble pendant l'hiver, parce que l'hiver, c'est comme ici. Puis il dit beaucoup, il dit que moi, tous mes enfants qui viennent d'Ukraine ont des problèmes de développement, des problèmes de comportement. Pourquoi? Parce que la vie est dure là-bas, donc gros taux d'alcoolisme, et tu veux oublier tes problèmes rapidement, puis les femmes enceintes, bon, mais ils vont boire beaucoup de vodka, puis la vodka là-bas, tu as de la vodka à 60 %, ça cogne, puis à un moment donné, c'est comme une spirale, puis ça crée juste des enfants qui sont complètement hypothéqués. Puis quand il m'a dit ça, j'étais comme, j'avais le cœur brisé, puis en même temps, il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait, merci Seigneur de nous avoir envoyés là-bas. On ne va pas changer le monde, mais au moins tu nous envoies dans un endroit que même les spécialistes du voyage ne connaissent pas. C'est peut-être oublié par notre monde, mais la Moldavie n'est pas oubliée par Dieu. Puis nous qui sommes privilégiés, c'est la moindre des choses de donner un petit coup de pouce. Donc, est-ce qu'on sent? Donc, je veux juste à nouveau te faire réaliser, on y va, Pasteur Denis, moi, cette semaine, mais on ne va pas, c'est pas un voyage. Quelqu'un me dit, ce ne sera pas aussi romantique que Paris. Non, pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est la Moldavie, pas Paris. La deuxième raison, c'est que je pars avec Denis, pas avec Valérie. Ça, c'est autre chose. On est d'accord? Oui? Juste régler ça immédiatement pendant que ta femme est là, c'est beau? OK. Quatrièmement, est-ce que tu connectes avec d'autres croyants? Moi, je t'encourage. Une nouvelle session de petits groupes qui va commencer en janvier. C'est quoi les petits groupes? Une heure par semaine, tu te ramasses, tu te regroupes avec d'autres croyants. On s'encourage les uns les autres. On prie les uns pour les autres. Tu n'es pas seul. Et souvent, c'est la première ligne. Tu vis quelque chose, il y a des gens autour de toi. Toi, tu peux aider des gens. Donc, je t'invite et je vous donne une primeur ce matin sur la nouvelle série qui va commencer début janvier. Donc, janvier-février va être une série où on va passer au travers le livre de Timothée. Donc, ça commence en janvier. Encore une fois, tu peux t'inscrire. Formulaire à la table, présentoir en ligne. Vous dire également, on a lancé les prochaines soirées disciples et on va faire quelque chose de différent lors de notre prochaine soirée. Donc, mardi le 13 décembre. Habituellement, on a louange, prière, 1 heure et ensuite, on a de la formation pratique, théologique, biblique. Ce qu'on va faire, étant donné que c'est on veut se réjouir, on veut connecter, c'est la dernière avant Noël. Donc, après la louange, nous allons, au lieu d'avoir une étude biblique, on va avoir café, dessert pour connecter les uns avec les autres. Donc, encore une fois, je vous invite à être là, ça va être une belle soirée. Et parlant de connecter, moi, je veux juste lever mon chapeau et je suis content, Pasteur Ralph est là, pour le ministère jeunesse. Il y a une œuvre qui se fait là-bas, il y a un renouvellement, il y a un leadership qui monte. Et je parlais d'un renouvellement du ministère des jeunes adultes, le ministère d'ados qui prend de l'ampleur, il y a une équipe. Et moi, je pense qu'il faut qu'on lève nos chapeaux à des frères et des sœurs qui travaillent pour former, pour s'occuper de vos jeunes spirituellement. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement pour le travail qui est fait. Le ministère jeunesse de l'Église de Portail se nomme simplement Accès. Et donc, voici un petit vidéo pour vous montrer c'est quoi Accès. Thank you.
Donc, rappelez, tu es un jeune adulte ou vous êtes parent d'un ado, ou vous êtes un ado, vous êtes ici, tu es ici, à tous les vendredis 19h, réunion. Donc, toujours, c'est ouvert au début, activité, réunion, et ensuite, toujours activité, puis il y a un programme varié. Il y a 9 prédicateurs différents qui prêchent à la jeunesse. Wow! Oui, c'est ça, oui. En même temps, juste vous dire, ce vendredi, les jeunes adultes ne veulent pas juste se réunir, avoir des réunions. Lorsqu'ils ont relancé le ministère, ils se sont dit « on veut être actifs dans la communauté ». Et ils se sont séparés en petits groupes et chaque groupe devait choisir une action communautaire. Ils vont la faire vendredi. Donc, ils ne seront pas ici. Ils viennent ici, mais ils sont à l'extérieur pour servir les gens dans le besoin. Donc, si je sais que c'est tard et je dis quelque chose et le pasteur de jeunesse ne sera peut-être pas content, mais si tu es un jeune adulte, tu peux envoyer un courriel à Ralph si tu veux participer. Et Dieu va lui faire grâce de faire en sorte que ça fonctionne. OK, on continue. Invite, est-ce que tu invites des gens où tu gardes la bénédiction juste pour toi? Et là, après plusieurs années, on décide d'organiser un grand spectacle de Noël. Est-ce que vous êtes contents? L'équipe travaille tellement fort. Regardez notre équipe de louanges, là. Vous allez voir, ils sont cernés, ils sont blancs. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils travaillent. Et encore une fois, une autre vidéo, spectacle de Noël qui s'en vient très bientôt au portail. C'est une histoire. C'est celle que vous découvrirez au cours de ce concert. Elle est assez particulière, puisqu'elle est incarnée par des personnages fictifs, des personnages réels et des personnages qui ont vécu à différentes époques, de tous les temps. Les humains choisissent de se heurter par peur ou de s'aimer par courage. Leur choix vient façonner leur vie et leur éternité. Donc, 17 décembre, deux représentations, 16h et 19h30, notre grand concert, grand spectacle de Noël. Inviter quelqu'un, hein, on ne fait pas ça juste pour nous, pour, on aurait d'autres choses à faire, on pense que c'est une tradition et on veut vraiment maximiser. Vous allez sur notre page Facebook, il y a une promo, une invitation, vous pouvez la transférer à des amis. Sinon, pour ceux qui aiment faire ça à l'ancienne, on a des petites cartes que vous pouvez remettre. On a commencé par en imprimer seulement 1000. Les cartes sont sur la table à l'arrière. Je vous demande, s'il vous plaît, OK, ces cartes-là, tu n'as pas le droit d'en prendre 10 et de les laisser dans ton char. OK? Si tu prends une carte, tu as l'obligation morale d'inviter quelqu'un. OK? Donc, c'est correct que tu n'en prennes pas, mais et c'est une limite, on veut commencer par 3. Donc, encore une fois, l'idée, laisse pas donner ça à tout le monde dans le métro, c'est des invitations de qualité. OK? On prend le temps. Vous êtes là? Donc, si tu veux en imprimer dans le métro, bien, tu les payeras, OK? Donc, mais c'est important, on veut, parce que sinon, ça va se promener, puis on veut, tu sais, c'est quelque chose de le fun, c'est quelque chose de bien, c'est Noël, contact personnel, donc, c'est pourquoi on a des cartes, vous pouvez vous en procurer à l'arrière. Est-ce que vous allez venir? OK. Donc, est-ce que tu pries, est-ce que tu as commencé à prier plus régulièrement durant cet automne? Oui, nous avons, encore une fois, renouvelé notre chaîne de prière. Vous avez des besoins. Vous savez, on est là. Une des manières de vous supporter en tant qu'Église, de se supporter les uns les autres, c'est oui de pourvoir aux besoins, mais c'est de se soutenir dans la prière. Donc, vous avez des besoins, vous êtes malade, vous avez un défi. Pas besoin de donner tous les détails. Dieu connaît les détails, mais vous aimeriez qu'on vous supporte dans la prière. Il y a 50 personnes qui, dès que le courriel est reçu, ces gens-là vont prier pour vous. Donc, simplement envoyez votre requête à requête@commercialegliseleportail.com. Et vous êtes ici, vous n'étiez pas là lorsqu'on l'a lancé, vous dites, moi j'aimerais ça prier, j'ai à cœur la prière, je veux soutenir mes frères et mes sœurs dans la prière. Envoyez également un courriel, toujours à requête, signifiez votre désir de participer à la chaîne de prière et on va donner suite. Également, non seulement prie, mais est-ce que tu lis, est-ce que tu as commencé à lire ta Bible cet automne? Vous savez, Spurgeon a dit la chose suivante, alors que quelqu'un lui demandait comment défendre la Bible. Et Spurgeon disait, défendre la Bible, c'est comme défendre un lion. Tu n'as pas besoin de défendre le lion, tu as simplement besoin de libérer le lion. Et au portail, on croit encore qu'on n'a pas besoin de défendre la bonne nouvelle ou la Bible. Simplement,
encourager les gens à lire la Bible par eux-mêmes et de voir le fruit dans leur vie. Et vous savez, on a une librairie ici, une succursale de Diffusion Vie, puis ils nous ont envoyé un petit rapport sur les ventes. Et en passant, on ne fait à peu près pas d'argent. Le but de la librairie, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est d'offrir un service vraiment. Et voici ce qu'on nous a dit. Le nombre de ventes de Bibles dans la librairie est appréciable au portail, compte tenu du nombre de personnes qui fréquentent votre église. Les Bibles populaires sont les Bibles sérieuses. Est-ce que quelqu'un a une Bible humoristique entre les mains? Mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Est-ce que quelqu'un, donc, les Bibles populaires sont les Bibles sérieuses, c'est-à-dire les Bibles d'études? Il est perceptible qu'un effort est fait chez vous pour favoriser la lecture de la Bible et ce n'est pas une tendance dominante dans bien des églises. Le portail se démarque sur ce point bien précis. Donc, moi, je suis très content. Oui. Des gens qui lisent la Bible. Je continue. Es-tu engagé envers ton église locale? La semaine dernière, tu as entendu mon message et tu dis oui, moi, je vais être reconnu comme un citoyen. L'église est une ambassade du royaume de Dieu. Donc, là aussi à la table, nous avons des formulaires, présentoirs en ligne. C'est possible de devenir membre et de dire, moi, je ne suis pas un chrétien comme ça, anonyme. Je crois que c'est important de m'engager. Et puisqu'on parle d'engagement, je veux profiter de l'occasion pour parler de notre église de Terrebonne. J'ai mentionné que nous croyons que le Québec a besoin de plus d'églises parce qu'une église, ce n'est pas juste un endroit où on parle, c'est une église où on devrait, un endroit où on devrait agir. Donc, plus qu'il y a d'églises dans la communauté, plus qu'on est là pour servir la communauté. Et Terrebonne ont vraiment compris le message. Sous le leadership de pasteur Maxime, il s'apprenait un jeune pasteur comme lui pour avoir l'audace de développer quelque chose qui ne s'est jamais fait au Québec. Et vous ne le réalisez pas, mais priez pour eux. Et on doit honorer le pas de foi qui est fait. Okay? Donc, c'est vraiment important. Il y a des frères et des sœurs qui travaillent à Terrebonne. Ce serait tellement plus facile de venir à Laval. Mais ils sont là, puis ils tiennent Terrebonne à bout de bras, une moyenne d'une centaine de personnes à toutes les semaines, 10 baptêmes dans la dernière année. Ça, c'est 10 %. Là, regarde les stades de partout au Québec, là, c'est chapeau. Là. À Laval, on est noyé dans des chiffres, donc on ne réalise pas, mais une église de 100 personnes qui baptise 10 personnes, c'est honorable, c'est appréciable, oui. Ils se réunissent au cinéma Gouzeau à 10h30. Moi, je t'encourage à aller faire un tour. Si vous venez de la région de Terrebonne, je vous encourage à joindre à l'église Portail Terrebonne. Je crois que Dieu vraiment vous appelle plusieurs personnes là-bas. Pasteur Max, en passant, va être notre prédicateur la semaine prochaine. Donc, soyez là, vous allez être bénis, toujours appréciés. Et eux ont travaillé très, très fort, justement, parce que plusieurs visiteurs, pour intégrer les gens, ils suivent une trentaine de personnes. Puis dans mon rapport du pasteur cet après-midi, je pourrais en parler, mais financièrement, lorsqu'on a commencé, c'était pas un fardeau, mais c'était un pas de foi de commencer une nouvelle église. Et on peut dire en date d'aujourd'hui que Terrebonne fait sa part financièrement, spirituellement et financièrement. Donc Dieu bénit. Ils sont impliqués au niveau de la communauté. J'aime mon voisin, donc un projet pour aider le voisinage. Ils sont impliqués avec le café de rue de Terrebonne. Ils font des paniers de Noël. Et une des choses qu'on ne réalise pas à Terrebonne, c'est que c'est une école de formation pour les jeunes ouvriers. Ça donne des opportunités. Pasteur Ralph va prêcher à Terrebonne la semaine prochaine. Donc, il y a des jeunes ouvriers qui poussent. Quand je parle de formation de disciples, de pasteurs, d'ouvriers, Terrebonne et les sites, non seulement on croit que c'est important, mais en même temps, ça apporte parce que ça donne des occasions de service à des gens qui, dans une église comme Laval, auraient peut-être moins d'opportunités. Et c'est comme ça qu'on forme des ouvriers. Donc, on est vraiment contents et... Les gens qui ne sont peut-être pas convaincus, qui se disent « Est-ce que le Québec a besoin de plus d'églises? » Et je veux juste dire en passant pour Terrebonne, pourquoi Terrebonne? Il y a de bonnes églises à Terrebonne. Okay? L'idée, ce n'est pas d'aller dans des endroits où des gens ne font pas le travail, c'est qu'on croit que ça prend différents types d'églises pour rejoindre différents types de personnes. Même il y a quelques années, un pasteur est venu me voir et m'a dit « Pasteur Gaétan, toi tu es pasteur à Laval, qu'est-ce que tu en dis si j'implante à Laval? Sois le bienvenu mon ami, parce que plus qu'il y a d'églises, mieux que c'est pour tout le monde. » Pourquoi? Encore une fois, parce qu'une église, ce n'est pas juste un endroit où on se bénit entre nous, on est là pour se servir et servir les gens les uns les autres. Donc, se servir les uns les autres et non pas se servir, point. Est-ce que vous croyez qu'il y a des besoins au Québec? OK, on a reçu un message cette semaine qui nous a beaucoup bénis. Je vous en fais la lecture. Bonjour, nous sommes une petite église dans le nord du Québec, à Fermont. OK, Fermont, là, en passant, là, c'est où Fermont? Prends ta voiture, roule vers le nord pendant 15 heures, puis tu es presque arrivé. Fermont, c'est tellement loin que les oiseaux reviennent avant d'arriver, ils sont fatigués.
OK? Pour te dire, là, ils ne se rendent même pas là. OK? Donc, nous sommes une petite église dans le nord du Québec à Fermont. Nous avions un pasteur qui venait de façon occasionnelle. Mais depuis un an, nous n'avons plus personne. Et ça, il y a plein de communautés comme ça, des croyants qui se réunissent, puis il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de pasteurs, pas de bergers, il n'y a rien. Puis des gens essayent de se démener par eux-mêmes. Voici ce qu'on nous écrit. « Nous louons le Seigneur, car grâce à cette technologie qu'est Internet, nous pouvons écouter des messages par l'entremise d'Églises qui ont un ministère d'enregistrement. Donc, depuis voilà déjà plus d'un an que nous suivons toutes vos séries à chaque dimanche matin. Cela nous permet d'avoir une bonne nourriture spirituelle. Donc, nous voulons vous remercier pour ce beau ministère d'enregistrement. Bonne journée à vous. Il n'y a pas que Terrebonne qui est à l'écoute. » Wow! Salut Terrebonne, salut Fermont, on est content que vous joigniez à nous. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut prier pour Fermont? Il faut prier pour plein d'églises. Et dans l'avenir, je crois qu'on va implanter de nouvelles églises. Mais je crois aussi qu'il y aura des églises à un moment donné qui sont en train de fermer, qui ont besoin d'un coup de pouce, qui ont besoin d'être ressuscitées, d'être renouvelées, puis qui vont venir à nous pour nous dire, nous là, tant qu'à Fermont, on veut que vous veniez nous aider, puis on veut repartir, on veut grandir, on croit. Donc, il y a des ressources, on est une église privilégiée, mais on n'est pas là seulement pour nous. On n'est pas là, Laval n'est pas une fin en soi, on est là encore une fois pour les autres. Le royaume de Dieu dépasse ces quatre murs. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Donc, et je termine avec ceci, je veux parler des réfugiés. C'est un projet qu'on a commencé à peu près une année, lorsqu'une vague de réfugiés syriens qui arrivait, et on se demandait comment est-ce qu'on peut les servir. Vous savez, puis des gens se disent, oui, mais pourquoi aider les étrangers, les réfugiés? Deutéronome, chapitre 10, le verset 18, nous dit que Dieu aime l'étranger et pourvoit ses besoins. Verset 19, Dieu dit, tu aimeras l'étranger. La Bible dit, tu aimeras l'étranger. Pas tu vas tolérer, tu aimeras. Est-ce que je peux entendre amen à ça? C'est la Bible. Et aimer l'étranger, c'est pas juste dire on les regarde de loin puis on vous aime. C'est aider l'étranger. C'est vraiment important. Et Jésus, un jour, a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les gens autour de lui ont dit, la Bible nous dit qu'il y a un religieux qui a voulu se justifier en disant, mais qui est mon voisin? Qui est mon prochain? Et Jésus va donner la parabole du bon samaritain pour dire que ton prochain n'a pas toujours la même religion, la même couleur et la même langue que toi. Ça, c'est biblique. Et Jésus a toujours a fait des choses dérangeantes pour l'époque où, dans le contexte de l'époque, la religion était ethnocentrique, centrée sur une ethnie. Et Jésus va guérir la fille d'une femme syrienne. Il va prendre en modèle des étrangers. Et Jésus fait ça régulièrement. Et dans le texte qu'on vient de lire, Jésus va prendre pour modèle un Samaritain qui était quelqu'un de religion et de langue et de culture différentes. Donc, c'est pourquoi nous, au Portail, lorsqu'on a entendu parler qu'il y avait des gens qui arrivaient de différents pays, notamment de la Syrie, mais on l'a fait également avec certains Africains, qui étaient dans un petit logement, pas de meubles, pas le nécessaire, on s'est dit, on va leur donner un coup de main, Dieu nous a bénis, puis c'est la moindre des choses, donc qu'on partage ce que Dieu a déposé entre nos mains. C'était toujours là de dire « Amen ». Et dans cette dernière année, on évalue qu'on a aidé à peu près 18 familles, c'est à peu près au-delà d'une centaine de personnes qu'on a donné un coup de main. Et on a ajouté dans les dernières semaines, un volet jumelage. Donc, où on est en partenariat avec le Carrefour d'interculture de Laval, donc je vais céder la parole à leur porte-parole dans quelques instants, où l'idée, c'est de jumeler une famille québécoise de souche, ceinture fléchée, poutine, dinde et atoka, avec des familles de Syrie pour justement permettre l'intégration. Et on a une famille, il y a deux familles de l'Église qui participent à ce projet-là. Et je vais céder la parole à un frère qui participe à ce projet, donc Jean-Sébastien, alors qu'il s'avance. Est-ce qu'on peut l'encourager? Hey, bonjour le Portail. On croit vraiment à notre Église qui est présente dans la communauté, mais le croire, c'est aussi agir. Donc, quand on a présenté le programme, il y a peut-être un mois de ça, moi et ma femme, on s'est regardés, on a tout de suite dit, on a dit dans notre cœur, oui, on veut faire ça, on veut être présent, on veut faire le pas, alors on s'est inscrit à la table et on a eu une rencontre au centre interculture et on a été jumelés avec une belle famille syrienne, 7 enfants.
Et on a eu la chance d'aller les visiter il y a 2 semaines de ça. Et savez-vous qu'ils sont arrivés au mois de février et on est la première famille qu'ils reçoivent à la maison. Ça, on voulait briser hein, des murs d'isolation. Alors, on t'est reçus, accueillis dans un tout petit appartement, 7 enfants, mais 3 enfants avec nous aussi. Tout le monde autour à se regarder, pas se connaître, à essayer de communiquer en français, briser la barrière de la langue. Et on t'est reçus un festin syrien, la table là, avec toutes les virtuailles possibles. C'est des gens qui n'ont presque rien. Ils donnaient tout, puis je vais avouer, c'est notre culture. Là. On va à la table, et là, tous les plats sont là, mais pas d'ustensiles, pas d'assiettes. On a compris que, let's go, on pige dans le plat avec le pain à la bonne franquette, on mange ensemble, c'est convivial, on partage, tout le monde dans les mêmes plats. Alors, c'est quelque chose, mais c'était vraiment bien. On a passé au salon, jasé. Ma petite fille a décidé comme ça, naturellement, d'ouvrir un livre en français, de lire avec un des jeunes de la famille. C'était bon, mais ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on les reçoit dans 1 semaine à la maison où ils vont goûter à la culture québécoise. On va les chercher. Ils n'ont pas de tourne des chansons, on a 2 minivans. On va ramasser toute la gang à la maison. Alors, immersion culturelle québécoise. Et quand on pense à l'étranger, comme Pasteur Gaétan disait, je trouve que dans notre société, je côtoie tellement de Québécois qui sont rough, sont durs, ils parlent contre eux. Ils n'ont pas un beau message à donner. Puis pourtant, tout ce qu'ils pourraient faire, c'est tendre la main, les accueillir. Faites-le. Faites-le vous aussi. Yes. Good job. Good job. Et, ouais, super. Et Jean-Sébastien est un chasseur et je ne sais pas si ton projet de se servir du chevreuil tient encore. Oh, il attend au frigidaire. Donc, bravo, bravo. Et on est content ce matin. On est, encore une fois, nous, on est partenaires, mais il y a un organisme communautaire qui fait tout le travail. Et c'est le Carrefour d'Interculture de Laval qu'on avait honoré il y a plusieurs années, justement. On ne les connaissait pas, mais on trouvait que ce qu'ils faisaient, c'était honorable, que Dieu honorait. Puis en tant qu'Église, on voulait les bénir. Et là, c'est une joie de travailler un petit peu plus étroitement avec eux. Et on a leur porte-parole ce matin, Taous, qui va s'adresser à nous. Donc, est-ce qu'on peut l'accueillir également? Bonjour à tous et à toutes et à tous par galanterie. Alors, on est très contents d'être ici. Moi et ma collègue, moi Taous Aïssaoui, ma collègue Maria Scourtis, on est très contents d'être avec vous, avec nos familles syriennes. On a tenu à être présents aujourd'hui pour vous remercier. Alors, le Carrefour d'Interculture de Laval, nous ici présents, Madame Maria Elena Pinto, qui est la coordonnatrice du programme d'intégration, et Madame Carole Charvet, qui est la directrice générale par intérim, qui n'ont pas pu être présentes malheureusement aujourd'hui. On tient tous à vous remercier pour toute votre implication, toute votre générosité et toute votre mobilisation pour aider les réfugiés nouvellement installés à Laval. On tenait aussi à vous exprimer notre reconnaissance face à tout le travail que chacune et chacun de vous a accompli. Un travail qui a fait une très grande différence dans l'installation de ces familles. Alors, c'est des familles réfugiées qui proviennent de la Syrie et aussi de l'Afrique. On a compté, comme le pasteur a dit, un peu plus de 14 familles, donc plus de 89 personnes ont été servis et ont bénéficié de votre générosité. On vous remercie aussi pour tous les efforts et l'accueil que vous avez réservé à ces familles lors de la fête de l'automne. Je tiens personnellement à remercier, je dis personnellement, parce que le pasteur a parlé du projet de programme de jumelage. Je suis responsable de ce projet. Je tiens à remercier le pasteur Denis qui a fortement participé avec nous, Mélissa Jean-Sébastien et Madame Marie-Josée Beauregard qui participent actuellement à ce projet. Donc, je vous dis vraiment un grand merci. Merci beaucoup. Merci. Je dirais quelque chose. L'éléphant dans la pièce. Vous savez, moi, vous me dites merci, mais merci d'être là parce que moi, j'ai jamais été, en tant que chrétien, j'ai jamais été dans une mosquée. Et de voir ce matin, on va avoir première réunion des réfugiés africains, deuxième syriens. Et
quand même, pour des musulmans, de venir dans une église, ce n'est pas commun. Donc, merci d'avoir accepté de venir pour parler pour votre organisme. Ça me touche beaucoup. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et nous voulons ce matin, justement quelques familles qu'on a aidées. Tout le monde ne pouvait pas être là, donc c'est des échantillonnage. On a quelques familles qu'on a donné un petit coup de pouce ce matin qui sont parmi nous. Donc, est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous pouvez venir me rejoindre, s'il vous plaît? On aimerait prendre une photo et vous remettre un petit cadeau ce matin. Donc, nos amis réfugiés. Et pendant qu'ils s'avancent, est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que tout le monde parle français? Oui, c'est mon accent. Vous êtes l'accent québécois. On est content de vous accueillir. On a un petit quelque chose pour vous. On a une collation québécoise, le pain aux bananes. Donc, on veut remettre à chaque famille. Et on a un laissez-passer pour notre spectacle de Noël. Donc, pour vous initier à la culture québécoise avec la neige, les sapins et tout ce qui vient avec. Et juste dire un petit mot, on est juste honoré de pouvoir vous servir. Et notre prière, nous prions pour deux choses. Premièrement, nous prions que cette saison soit une saison de consolation. Saison de consolation pour... on ne peut pas imaginer. Certains peuvent ici, des frères et des sœurs, vous pouvez imaginer toutes les réalités dans d'autres pays, ce qu'on peut vivre souvent là. Juste la guerre ou juste l'oppression, et seulement de quitter un pays, de recommencer à zéro, de quitter des proches, de quitter sa terre natale. Donc, que ce soit une période de consolation et une saison de bénédiction pour vous. Notre prière, c'est que vous puissiez vraiment, on prie pour votre intégration et que vous puissiez devenir des citoyens accomplis qui vont contribuer à l'avancement de notre beau pays, de notre belle province. Donc, on est très honorés de vous avoir encore une fois. Merci beaucoup d'être présent ce matin. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, 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 bonjour. On me dit également qu'il y a plusieurs enfants qui sont en haut, donc c'est des gens qu'on a aidés concrètement. Il y a des gens, vous avez amené des meubles, des vêtements, donc ça permet l'intégration. Et oui, c'est vrai, toi tu es là, tu dois traduire. Donc premièrement, on est content de vous accueillir. Oui, on est... نحن فخورين جدا بحضورك معنا. Donc on a un petit cadeau pour vous. لنا هدية إليكم. Premièrement, on a un pain aux bananes. كعك بالموز. Donc pour devenir québécois, il faut manger du pain aux bananes. شكرا شكرا. Donc, faut que tu traduis, c'était une bonne blague, ça, que je viens de dire. Pour... J'essaie d'éliminer les questions. Parce que pour être... C'est elle qui a le rôle le plus difficile. Donc, pour devenir québécois, on doit manger du pain aux bananes. Litakounou fait québécoine. Voilà. Et deuxièmement, on vous a donné un petit laissez-passer pour notre spectacle de Noël. عندكم دعوة لحفلتنا لميلاد المسيح. Parce que le spectacle de Noël est une tradition de la culture québécoise. هي حفلة المسيح هي عادة للكيبيكيين. Donc vous allez comprendre beaucoup de choses par ce spectacle. تفهمون أشياء كثيرة من هذه الحفلة. Et en terminant. Oui, للختام. Deux choses. حاجتين. Nous prions que cette nouvelle saison soit une saison de consolation pour vous. Nous
Peu d'entre nous peuvent imaginer ce que vous avez vécu en Syrie dans votre pays. Donc, que ce soit une consolation. Grâce à vous, c'est sûr qu'on sera accueillis comme ça, on sera vraiment en paix ici. Amen. Ils vous remercient tous pour votre générosité. Ils veulent remercier chacun de vous pour tout ce que vous avez fait pour eux. Merci donc. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci encore. Merci, merci. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, merci. 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 Donc, on peut reprendre place. Merci, Massica. Tu as bien fait ça. Donc, prions, on prie pour eux, et c'est plus que des paroles, pour leur intégration, vraiment, que ce soit belle saison et que vraiment qu'ils puissent devenir des citoyens épanouis qui servent à l'avancement de notre pays, de notre nation. Donc, comme chacun d'entre nous, on veut l'être, de bons citoyens. Donc, cela étant dit, est-ce que vous trouvez que c'est une belle matinée? Yes! J'aimerais qu'on termine simplement en donnant gloire à Dieu, dire « Jésus, tu es notre joie, Christ est ma joie ». Et le chanter avec foi. Seigneur, que tu puisses véritablement continuer ton œuvre dans ma vie, dans leur vie, dans la vie de chaque personne qui est ici. Donc, est-ce qu'on peut se lever?